Moi, j'ai senti fortement que bon Dieu voulait me parler à ce la cette scène, notre source de vie. Où j'ai un titre là? Pas comprendre, non? La cette scène, notre source de vie. Amen, alléluia. C'est ça nous va parler aujourd'hui. Donc, pardon, nous avons touché point à là. Nous voulons l'autre 2-3 minutes là qui était là. Nous passons très bien dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous jouez, dites amen. Merci Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens, nous allons commencer. Texte de base, nous. 1 Corinthiens. Alléluia. Vous l'avez avec moi? Si vous l'avez avec moi, dites amen, non? Merci Seigneur. 1 Corinthiens, nous allons écouter là. Chapitre 11. À partir du verset. Alléluia. 23. Oula. Je sens maintenant. Merci Seigneur. On m'a dit alléluia. Alléluia. Bon, 23 à 26. Qu'est-ce qu'il dit nous? Que j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après d'avoir rendu grâce, il rompit et dit : ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de. En mémoire de qui moun? Francius, en mémoire de qui moun? C'est pas en mémoire de moi. En mémoire de. Alléluia. Amen. Non. C'est pas en mémoire d'un pasteur. C'est pas en mémoire d'un fouet. C'est pas en mémoire d'un saint. C'est en mémoire de Christ. Parce qu'il y a une seule personne, yon, qui mort pour nous. C'est qui moun? Jésus de Nazareth. Alléluia. De nous faire un moment de lui. Il dit nous, de même après d'avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous brisez ces coupes, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 26. Alléluia. Nous avons pipé et nous avons. Alléluia. Vous voulez faire ça avec moi? Merci Seigneur. Donc, à nous prendre le Jack Daniel, il a rendu grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Par respect, je demande à l'Assemblée de se mettre debout. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Père Céleste, je te présente ce pain. Le Seigneur Jésus a dit, après avoir rendu grâce, il rompit ce pain qui est son corps. Je rends grâce sur ce pain et je le bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui est le corps du Seigneur Jésus, immolé à la croix pour nos péchés. Père, tu as dit dans ta parole, si nous ne mangeons pas ce pain qui est le corps du Seigneur Jésus, nous n'avons pas la vie de Christ en nous. Et c'est pour cela, en ce matin, nous voulons manger ce corps de Christ qui a été meurtri à la croix de Golgotha à cause de nos péchés. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, parce que grâce au corps du Seigneur Jésus meurtri à la croix de Golgotha, à cause de nos péchés, tu nous as épargnés du feu de l'enfer. Et nous savons, par le sacrifice du Seigneur Jésus, nous avons la vie de Christ en nous. Et c'est pour cela que nous t'en sommes reconnaissants. C'est pour cela qu'en ce matin, nous prenons ce corps et nous le mangeons afin que nous persévérons jusqu'à son retour.
Seigneur, nous bénissons ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À toi seul sera la gloire dans les lieux très saints et sous la terre entière. Au nom puissant du Seigneur Jésus, pour ta seule gloire. Amen. Alléluia. Nous caillons, mettez-vous ensemble. Vous pouvez vous asseoir toujours. Nous caillons, gloire sous divin. Alléluia, c'est Jean-Claude. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ce privilège, cette bénédiction que tu nous accordes d'être assemblés en ton nom pour pouvoir prendre la sainte scène, ce vin qui est ton sang. Et c'est par ton sang que nous sommes ici aujourd'hui, étant lavés, purifiés de tous nos péchés. Tu nous as donné le privilège de participer à ton sang, de boire ton sang. Et nous savons, Père Céleste, ton sang nous garde, ton sang nous guérit, nous libère. Et nous sommes reconnaissants ce matin d'être assemblés devant le trône de ta majesté pour pouvoir prendre ce sang qui va nous faire du bien, ce sang qui va nous guérir, qui va nous libérer. Et en ce matin, ce sang soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu nous as dit dans ta parole, si nous ne vivons pas ton sang, nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Et nous sommes reconnaissants de prendre ton sang ce matin. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Pardon les... Ces frères qui ont pipé, après ils ont pointé assise. Moi, je veux assise. Assise où? Et à nous garder en disant parole, bon Dieu, un petit moment. Alléluia. Nous lisons en disant texte là, qui ça? Jésus qui était dans nous. Mais question c'est pourquoi, why it is important to take Holy Communion? Pourquoi est-il important de prendre la sainte scène? Est-ce que nous avons posé comme question pourquoi c'est important de prendre? Et mon cas croit, bon Dieu toujours qui était réponse en disant Bible là, il est important de nous prendre. Tournez Bibou avec moi en disant livre Jean, chapitre 6. Alléluia. À partir du verset 32. John chapter 6 from verse 32. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Qui nous a donné le vrai pain du ciel? Le Père. Moïse. Hein? Moïse Bakissa. La manne. Ouais. Alléluia. Et pour l'instant, il était content, il a dit, il a mangé en exigence. Mais pour l'instant, Christ dit, ce n'est pas tes vrais pains ciel là qui étaient là. Ouais ça? Ce n'est pas tes vrais pains ciel là qui étaient là. Mais il dit, mais mon Père vous a donné les vrais pains du ciel. C'est ça Jésus dit.
Pourquoi nous n'y pouvons pas cette scène? Eh bien, mes amis, c'est un vrai pain qui sorti en ciel. Premier. C'est une nourriture. Il est bon pour nous. Il est bon pour tout être nous. Toi, car le pain de Dieu, ça dit nous, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Deuxième, pain kaba, la vie au monde. Et nous avons parlé des coquilles qui étaient brisées pour nous. Là, nous avons pris, nous avons changé que c'est ça qui a donné nous la vie. Et oui, coquilles qui étaient brisées pour nous, qui a donné nous la vie. Qui s'est dit nous? Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ça y est dit? Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Cet homme-là qui était là, il dit, si pétard a gaba la vie, ben nous toujours ce pain. Si ça gaba la vie, si ça gaba la vie au monde, ben nous continuellement. Ça veut dire il faut que nous prenions encore Christ pour nous donner la vie à nous. Qui ça Jésus dit verset 35, tenez bien, gardez l'histoire bien. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui. Il est important. Il est important pour comprendre ça. Il s'est pain de vie à Jésus qui dit ça. Ce n'est pas un monde. Là, il dit, je suis. Aïe, aïe, aïe. Personne ne passe à contredire ça, Jésus dit. Je suis le pain de vie. C'est lui qui vient à moi, n'aura jamais. Oui, oui, oui. Ça veut dire que l'on mange comme Christ. Il y a un bagage qui a fait l'on prend avec sincérité. L'on prend avec la vérité. L'on mange Christ. Il ne doit pas pour faim. Et lui qui vient après Christ, tu n'aurais pas soif. Jamais. Ou pas qu'il soif encore. Mais moi quand même, est-ce que mon ka vraiment prend sens ces paroles ta là? Pourquoi nous sommes autant soif aujourd'hui? Pourquoi nous sommes faim comme ça? Les Christ qui te des bagailles ba nous pour faire pour nous saner la vie, pour nous pas faim, pour nous pas soif. Nous avons parlé spirituellement. Ah, vous avez gardé l'homme manger des morceaux de pain, t'as boudon, il pleure, il n'a pas faim encore, pas soif encore. Il a toujours faim, il a toujours soif. Mais spirituellement, si nous prenons avec une bonne intention, si nous prenons avec la foi, alléluia, ça peut faire quelque chose en nous pour passer soif, nous passer faim, nous. Nous ne pouvons pas lâcher compter comment Jésus-Christ qui a dit dans verset 48 encore. Ça, c'est combien de fois nous j'allais. Je suis le pain de vie. Car répéter chaque là. Je suis le pain de vie. Christ, c'est le pain de vie. Nous avons quitté un pain de vie là. Gardez bien. Lorsque ou pas point nourriture pour une journée, gardez-moi au café pour une seule journée. Oui ou non? Oui ou non?
yon yi pa wate pour journée ou fait un journée jeune. Là on parle de journée jeune, nous on parle de on joue jeune entier, c'est 24 heures. 24 heures ou pas manger pièce ou pas boire de l'eau non plus. Ou pas manger quand dans l'état, c'est pas vrai oui ou non? Ça c'est quoi physique là? Aïe, j'ai oué spirituel là. Et qu'est-ce qui te yba nous? À nous parler, à nous réfléchir bien. Si c'est si difficile de pas manger et boire pour une journée tout seul, nous étions, nous pas boire, nous pas manger, nous sommes dans mauvais état spirituellement. Amen. On nous imagine pour nous comprendre l'importance sa Christ qui était et pourquoi nous n'y pour point. Alléluia. Dans ça 49. Vos pères ont mangé, c'est ça, ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. 50. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Bon, là, nous avons l'autre bail qu'à faire. L'eau mangée, il dit, ou pas qu'à mort. Nous, il dit, n'amou. L'homme intérieur, pas non seulement il brise la prière, nous connaissons ça, pas seulement il brise la parole de Dieu. En Matthieu 24, le Satan t'a dit l'homme va vivre pas seulement mais chaque mot parole en bouche mon Dieu. Amen. Il besoin la prière pour vivre. Il besoin la louange parce que plus que ou louer bon Dieu, ça ca mettre connecté, ca mettre en vie. Mais n'oubliez ta là cette scène. Et Christ dit en fait l'eau qu'a prend corail il ca il can péché au mort en créole. C'est pas ça? Oui ou non? C'est ça qu'il a? Ou si c'est ça qu'il a? Hein? Il ne meurt. Là, il dit ne meurt point. Ça veut dire quoi? Ou peut pas mort. Donc, si nous pas qu'à mort, là, qu'à prendre. Sous. Caprine. Oui, c'est comme ça. Est-ce que nous comprenons bien? Donc c'est là nous n'y pour dire waouh. Moi dit ouais mais sous caprine ou pas mort. Mais comment y est en fait? Comment y est pour point? Pas dans nous quand il est allé, il dit sous mal pris ou qu'à mort. Donc en fait, c'est en prison pour moun qui pas vivre droite, et c'est en source de vie pour moun qui voulait marcher droite avec bon Dieu. Oh, pas tant ça. Aïe. Oui, allez. Bon, moi je voulais encourager tout le monde qui est ici. Parce que bien souvent, de l'air, nous avons coordonné pour nous à ne pas prendre cette scène, peut-être parce que nous nous sentons mal. Avec de l'air, c'est stratégie Satan. Pas tant ça. Et bien, parce que nous avons un problème en dedans la vie, nous, mais ce n'est pas quelque chose qui peut coordonner l'âme. Et nous, il ne faut pas nous prendre. Et c'est là que diable a joué en nous. Donc, moi, je voulais montrer nous qui ça qui vraiment talent, nous avons ça, qui ça interdit nous pour ne pas prendre vraiment là cette scène, qui a interdit au monde. Parce que si nous ne connaissons pas ça, Satan qui a lâché nous en disant, quand nous avons dit ça, en attrape, en piège. Et l'année qui a passé, parce qu'ils savent sous, pas après, ils sont morts. Parce qu'ils savent souper, ils ont la vie à dedans.
Parce que c'est la seule manière que Christ a transmettre la vie encore Christ là. Nous avons lu la parole là, oui, nous avons... mais en fait, c'est une bonne nourriture. Allez, bon 51 pour nous voir ça. Allons-y. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Oh, oui. Pas non seulement au cas vivre, mais l'on mange, il dit au cas vivre éternellement. Pas bon Dieu la mer. C'est là nous pour faire attention des diables. Là il a metté problème, difficulté, toute bagaille pour y stopper la sept scène dans l'église parce que ils savent bien les ish bon Dieu qui prend la sept scène avec bon chair, avec bonne communication avec nous ensemble. Nous cani la vie et pas la vie seulement, la vie éternelle. Ça veut dire que même si quand t'as détruit mais on y la vie en dedans. Comment les diables là qui ont pris la sept scène? Est-ce que nous comprenons ça, bien-aimé? Non. Et il connaît ça, hein? Ou que Satan va connaître ça? Il connaît. Il a cherché tout blé, nous, il a cherché détruire nous. Un monde dit, bon matin, on va sortir dans ça, on va sortir dans ça, on va sortir dans ça. Un monde dit, on va sortir dans ça, on va sortir dans ça. Ouais, ça belle. La vie, très semaine. Quoi imaginer ça? Moi prends ça. Christ qui te dit ça de nous. Prends un morceau de pain et puis viens. C'est quoi qu'il a? Oh, quand il a la vie. Bon, ça veut dire que les gens qui parlent ça. Aïe. Posez-vous une question. Mais si nous pas manger bien aimé nous morts, si nous pas bré, qui ça qui arrive nous si nous pas bré de l'eau? Ou ka? Déshydraté. Eh bien c'est ça. Donc nous ka déshydraté spirituellement et nous ka morphé spirituellement. C'est ça Satan qui a fait nous. Donc c'est pour ça qu'il parle nous bien aimés. En nous vraiment ouvrir nous avec point un petit moment comprendre c'est un bon bagaille et que c'est pas bon Dieu qui parle nous prendre de laisser manière nous comprendre des choses de lui qui a condamné nous aussi. Alléluia. En nous aller. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Autant ça, Jésus dit en 51. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour. Ouais, ça bien. Jésus qui était chair là pour la vie nous. Et si nous ne mangeons pas, ça veut dire que tout le monde qui voulait la vie, l'on vient en Christ. C'est exception. C'est pour nous. Mm-hmm. Oh. Ah. Anouali. Moi, je vais quitter ça pour après. Anouali. 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant : comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Mais c'est comme que nous sommes cannibales. C'est vous qui avez une chair pour manger. C'est vous qui avez une chair pour manger. Vous avez une chair pour manger. Vous avez une chair. Parce que c'est pour ça que vous avez avec les yeux naturels et vous avez essayé de comprendre. Avec intelligence humaine. Nous pas jamais ça fonctionner comme ça.
si nous avons essayé de garder les yeux naturels, dans le bas sens. Non. Il faut comprendre, bien aimé, Dieu veut faire quelque chose d'important pour nous. Si nous voulons ni la vie, oui, il faut manger chair. Il faut boire son sang. Fais confiance à Dieu. Dieu, il caille ban nous la vie. Nous continuons. 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est Jésus qui a dit ça chaque fois. Hein? Changez bien. Pourquoi on a pris cette scène? On a mangé quoi? On a pris ça? Si on n'a pas fait ça, on n'a pas la vie. Hein? Pasteur, qui s'en a fait? Ah non, juste à nous, verset 48, on allait. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Bon. Voilà pour ça. Bon Dieu, venu ni la vie. Et au dernier jour. Quand tempête là qui est tempêté pour pas rester en tombeau. Hein? Aïe aïe aïe. Monsieur Gaba nous en doctrine nouveau. Monsieur voulez qu'il y en ait nous. C'est pas ça qu'il a. Hein? C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon à la vie éternelle. C'est pas ça il dit. Hein? Et je le ressusciterai au dernier. C'est pas ça qui est dit. Hein? Pourquoi pour moi changer? Créole nous a dit qu'il faut manger sang, il faut boire la chair, il faut manger la chair, boire sang pour nous la vie éternelle en dit non. Et il va ressusciter au dernier jour. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons nous avons nous avons mangé, nous avons mangé. Bon Dieu, venu ni la vie, dit dans nous. En décalé, ça m'a dit, foutre ça belle, merci. Donc, nous pas qu'à savoir qui ça nous a ouaté. Les nous pas qu'à prendre cette scène. Ça veut dire que tout le monde doit ni pour faire un effort. Drastique, on est fort, on go et fort, on est en violence pour mettre vie en règle, faire des façons pour pas rater ça. Ça va belle baïque là? On m'a dit, je le fais. Moi, les manger. Aïe, aïe, aïe. Allez, 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Le vraiment, ça veut dire que il est assuré, c'est certain. Sans doute, c'est un vrai breuvage. C'est une vraie nourriture. Vraie nourriture. Il pas faux. Amen, alléluia. Quoi manger? Tout le monde qui a cherché ça qui bio, bio dit c'est les vraies nourritures, nourriture saine. Mi ça qui sain. Le monde qui a dit yoni mi ça qui bio, yoni tout bagay. On comprend la panier rien bio à sous la terre. Nous qui menti top ban mi ça qui sain. Ou est ça bien? C'est un vrai nourriture. Amen. C'est un vrai breuvage. Ouais. Et l'autre vrai que vous mangez ça.
tout ça nous avons mangé un moment nous obligé mort parce que Kouani on limite bon Dieu bail. Mais t'as là il dit juste la vie éternelle. Oy oy oy. Amen. Ou pas briser père frère. Ou pas briser père sœur. Même si vous parti avant moi même parti avant, c'est pas mort à mort. Il dit c'est repos nous car aller reposer nous. Alain on tient sommeil juste attend la résurrection. Et quand il a ni vite à dedans, là il sonne ton père là. Pourquoi c'est vous qu'attend avant? Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le Seigneur Dieu quand il vient avec un grand son de la trompette et qui dit qu'on ça les anges quand ils sonnent et les morts en Christ qui ressuscité premièrement et nous qui restons ici nous qui changeons et puis nous qui montons avec eux ensemble. Alléluia. Ça veut dire que vous avez transformé, vous avez la vie Christ en vous, mais nous même vous avez encore spirituel yo. Si l'on est Corinthiens chapitre 15, parce qu'il a dit nous, il y a le corps terrestre et le corps céleste. Alléluia. Parce que yote ka pointon pour yote ni la vie Christ en didan yo. Donc l'on allait en d'autres tombeaux ou ka allait même vite en didan et le trompette la trompette ou ka mouté avant et nous même ni pour changer pour venir con et nous ka parti ensemble. Alléluia. Donc tout le monde ni pour oui. Ou faire ma vie prêcher. Mais important, zami, comment il bon? Nous pas ça nous ka rater. Là nous pas ka prendre. On a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vie dans la cette scène, la vie éternelle. C'est une source de vie la cette scène. Pourquoi de rater telle source? Continuez. 56. Mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Aïe aïe aïe. Qui ça dit encore? L'agneau l'autre bagage encore. Comme le pain qui est vivant. Attends. Ou qu'a mangé? L'homme mangé ou qu'a? Regardez comment le Christ a dit nous. Nous en dain et il en nous. Ouais ça? Eh bien, ça c'est une manière bon Dieu qui a connecté nous en dedans par la cette scène. Oh, you pardon ça. Woo! Il a connecté nous en dedans. Qui a vive en nous. Et nous qui a vive en dedans. Parce que nous mangeons sang, nous prélâchons. Mon cadeau ça au café, ça nouiti café. Qualité nouiti ya ou ka manger a ka déterminer qualité santé ya ou ka ni. Est-ce que vous comprenez ça? La tenir un homme nous te connaître maadou ki côté ga yété. Mais moi connaître nom là. Et nom là te ka manger manikou tellement. Tout le temps il était mess à manikou. Et finalement, l'air il fait anti-mamaï. Bonjour, dernier je dis. La main il fait compact manicou. Et c'est là il a été fait. Où ça pour sans manicou, il mangeait tellement manicou. La vie. Donc, même spermatozoïde bougla a changé. Imaginez ça. Donc, il est important. Nous, il y a son bail qui est important. Et bon Dieu, kadou, la sept scène sont vrais nous, qui permettent qu'on vive éternellement. Il y a changé tout ça qui est dehors, qui a baou la vie. Et un yé peut pas tuer l'amour spirituellement sous capoin avec bonne conscience envers mon Dieu. Oui, il y a la vie.
vivant dedans. Donc, nous ne passons pas là, cette scène à la légère. Quand c'est tellement important. Et c'est comme ça qu'il a habité en dedans nous. Vous imaginez ça? Qu'habite en dedans. On va aller. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vous entendez ça? Même quand papa est envoyé et que les gars vivent pas, je vis pas, ainsi celui qui me mange vivra pas. Ou est-ce que tu m'as dit quoi? Eh bien, exactement. Si vous ka mange, ou ka vive pas, ça ka tient pas spirituellement. Alléluia. Ça n'est pour tient bien. Ça n'est pour faire yon en dedans. Alléluia. 58 ans, nous allons. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Combien de fois nous attendons dit celui qui mange vivra éternellement? Est-ce que nous attendons? Ça veut dire que la parole est vraie. Depuis, il répète plusieurs fois. Et du coup, ça, c'est pas qu'on paye qui te descend du ciel. Moïse mange. Où est ça? Nous pas, mais on l'a dit, nous a dit, ah, moi te souhaite, moi te entre en canard, hein, pour te entre en canard. Moi te souhaite, moi te en désert, moi te mange la man. C'est mon date couillon tout, oui. Bon Dieu, bah, yon la man, yon de ka minire. Nous n'y yon qui plus fort qui la man jodi a. Nous comme qui a profité, et que oui, important. Allez, ton sa bien, c'est pas qu'on paye qui te descend dans. Oh. Du ciel, qui est-ce qui te descend du ciel? Amen, alléluia. Et yo mangé. Mais yo mort. Allô? Mais il dit, nous mangeons comme Christ. Nous pas qu'à mort. Où est la différence là? Est-ce qu'il est important pour nous? Un monde pas bon Dieu en belle, mais dis bon Dieu merci. Merci beaucoup. Eh bien, en vérité. Chaque monde doit faire diligence pour garder si on peut manger morceau. Un jour, même si vous pouvez s'apprendre aujourd'hui, mais voir où vous mangez beaucoup de la vie. Et chaque fois où nous mangez nous tout à l'heure, vous mangez en le bagaille. Donc c'est pourquoi telle vie, c'est pourquoi Christ n'est pas limité. Il dit aussi longtemps vous pouvez prendre. Amen, alléluia. L'année l'église, c'est tous les dimanches. C'est yo. Je ne vais pas condamner yo. Parce qu'il dit aussi. Souvent, yo prenne. Amen, alléluia. Nous, c'est une fois par mois. D'accord. Mais aussi. Souvent. Ça qui est grave là, c'est pas prendre une pièce. Nous, qu'à priver en vérité, quand Christ là, on souffre la vie. Et il ne faut pas nous faire ça. Ça c'est 58. Gardez Matthieu 26. Matthieu 26, verset 26 à 28. Alléluia. Lui, Matthieu 26, 26 à 28, lui. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Bon, Jésus t'a adressé quoi? À qui? Jésus t'a dit, c'est quoi? À qui? Like a dit nous un bail qui est important. Aux disciples. Ça veut dire que moun Jésus t'a choisi. Moun qui accepte Jésus-Christ. C'est là que ka wè que c'est pas n'importe moun. Amen, alléluia.
Amen. La cette scène, c'est pour moun qui acceptait Jésus, qui repentit, qui baptisait, parce que c'était aux disciples il y a de ses corps. Mais il y a l'autre bail qu'a fait. Il a pour pardon péché tout le monde. Ça veut dire que joie que au monde décider marcher avec bon Dieu, repentir, convertir, quand il baptiser et qu'il savent pécher, il pardonner. Alléluia. Amen, alléluia. C'est pour nous. C'est sans alliance là qui t'est versé pour nous. Jésus fait une alliance avec nous pas sain. Là nous ca point, nous ca moutuer que nous accepter alliance là. Christ fait pour pardonner péché nous. Amen. Yes. Oh blessed be the name of Jesus. C'est ça. What does it mean moi vle nou on bagay ki sa y ka signifie au monde pour manger indignement? Oui, ki sa ça veut dire? Nous avons vu 1 Corinthiens, chapitre 11, là nous sommes sortis. À partir du verset 27. Parce que la Bible a dit certains bails là, sous manger indignement, etc. etc. Lis pour moi, rapidement, 27 à 32. 27 à 32. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je répète ce verset dans une autre version. Car celui qui mange et qui boit mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. Est-ce que ça? Ça veut dire que nous pas pour prendre la cette scène indignement. Amen. Indignement. Point indignement. Qu'est-ce que ça veut dire nous? Lors ou point indignement. À nous garder, en fait, 1 Corinthiens 10. Il y a nous quelques exemples. Ça veut dire que premier, nous devons premier partie en disant Jean chapitre 6. Il y a dit pourquoi vous tenez pour prendre. Pour nous la vie, pour nous. Amen. Pour vivre pour tout le temps. Puis habiter en disant. Amen. Ça veut dire que l'eau prend la cette scène, le contraire de ce qu'a dit. Et bon, dans mauvais sens. Et bon, dans l'autre sens. Amen. Par exemple, nous te connaître un grand madame. Là nous te en fait l'église catholique. Et puis personne ne va de quoi que madame Dala te gagage.
T'es qu'à gâcher, qu'à voler la nuit. Ouais. Mais chaque lèle, yo baille l'ostria, yo te tue de travail. Mais il y a mis à la main. Et qu'après, il y a les faits, ou ça baille. Et c'est là où moi, yo baille, yo cri l'ostria. Plus il tenit, plus il désaffaire. Mais ça n'a pas empêché il mort. Et diable pas dit il joue il est comme la pièce là. Ça veut dire qu'il était capable indignement pendant monde qui prend l'ostrie le corps de Christ et qui prend pour voler. Vous comprenez quoi? Et ça qu'il servit croire. Donc il faut comprendre que monde nous pas comme avant. Le temps, eh bien, il y a des cadeaux comme ça, c'est fort quoi y confesser pour te prendre l'ostrie. Moi, volé sic, moi, volé sel, moi, menti. Mes fornications ont fait adultère, mon nom, tu as pas dit ça. Mon nom, tu as pas dit ça. Et tout ça là, et au capoin, quand des Christ là, en laisse ça, c'est ça indignement. Nous comprenons. Nous comprenons que nous avons l'eau sale en disant nous. Mais si ce n'est pas par horizontal là, est-ce que vous comprenez indignement? Nous allons aller, chrétien. Oui, ça, c'est pourquoi il dit juger en vous-même. Moi, je ne peux pas juger. Non, c'est à vous à juger quoi. C'est vous à garder. C'est vous, pas moi. Amen. Regarde ça bien. On va aller, nous allons finir. Nous allons tout finir. Wow. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Qu'est-ce que la Bible a dit, non? Jugez vous-même. Est-ce que c'est moi qui vous jugez? Non. Ce que moi qui a dit ou là, il dit c'est vous qui pouvez juger ça. Chacun mon nom. Jugez en vous-même ce que. J'ai. Verset 16, qu'est-ce qu'on lui dit? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Oui ou non? Est-ce que c'est vrai? Bon, regardez, nous avons une des manières que nous avons dit. Nous allons, verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Là, nous avons mangé pain, ça veut dire que chaque monde a pris un morceau, c'est pour aider nous à former un seul corps en Christ. Aïe aïe aïe. Comment la diable quand il veut manger pétard? Parce qu'il savent comment manger ou quand il faut mon corps ou quand venir fort et quand la vie. Amen alléluia. Amen alléluia. Babo Dieu là mais. Il va quand il veut nous prendre. Parce qu'on quand faire mon corps. Et diable veut pas ça. Non, il veut pas ça. Regarde, on y va. Verset 17, c'est ça? 18. Verset 18. Rapidement. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Donc, le décapé les victimes, c'est le cas du sacrifice. Amen. Là, le décapé mange sacrifice là. Est-ce qu'il y a pas victime avec l'autel là? Le café yon, posons question. 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Où est ça bien? Donc là où un monde simplement qu'à manger on vient qui sacrifie aux idoles. Est-ce que sacrifice là ça rien? Et d'où non? C'est pas rien. Mais pour l'instant, il qu'à manger bagaille démon. Ça veut dire que sacrifice là il y a des cafés, pas de café, il y a des bamoun. Ou qu'à manger, mais il n'y a pas qu'à d'où l'on mange sacrifié à idola ou qu'à faire yonek de mou. Ah, tu fais un avec les diables
quand tu manges, deviennent sacrifiés aux idoles. Les gens qui font des rituels et qui donnent leur nourriture après pour les masses de gens qu'on voit, parce que c'est bref manger, oui, ou qu'à venir. Mais ils ont ouvert toutes ces bêtes à des mouillons, mais ils ont pas qu'à d'où après, ou qu'à faire yonet diabla. Comme ça, nous qu'à connaître comme manger couli. Est-ce qu'on peut ici ni ça? C'est ici ni on chahit ça. Manger couli. Mais yo pas qu'à d'où yo offert sa badjab et ou qu'à y faire yonek de mou. Ouais, mais il faut. Et de ce même manière là, nous manger pain et bread du vin et nous prenons bon conscience. Nous qu'à faire yonek bon Dieu et on seul corps. Donc qui ça? Voyons diab qu'à venir plus fort. Là, yo offert ses baïta à sacrifice. Et plus yo fait moun manger, plus démon qu'à vivre moun, plus diab qu'à venir plus fort. Pendant du temps, il a dit nous arrêter pendant cette scène. Pas prendre avec quoi Christ a diminué. Quoi diab qui est top l'esprit. Quoi diab ni top l'esprit. Quoi top l'esprit bien aimé. Alléluia. On va aller parce que c'est pour nous finir. Nous on verset 20, 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Où est ça? Eh bien c'est ça il dit nous. Là ou pas ça, ouais, coupe mon Dieu et coupe des mous, ça veut dire tu ne peux pas participer dans cette scène et tu sais, tu es un démon. tu sacrifies aux idoles. Tu fais des choses indignes. Ou qu'à voler la nuit. Ou qu'à entrer en caïmoun sans dire bonsoir. Voilà! Ou qu'à vivre en péché, ou qu'à vivre en ça qui pas bon. Est-ce que vous entendez bien? Eh bien oui. Mais ou qu'à imaginer une mouka dit voilà. Ah ouais, pasteur, quelqu'un m'a blessé. Moun ka est toujours blessé. C'est pas parce qu'un moun blessé pour éloigner corps de la scène debout pas péché. Oui, mais debout pas péché ou pas péché. Il faut mal. L'importance, ou dit, ou fait moins mal ou ça. C'est pourquoi nous pas pour quitter un yé passé. Mon enfant mal, tout de suite dit, et tel, ça on fait moins mal. Parce que ou pas savent à quel moment, au lieu où ça là, et qu'on a envie de prier, qu'on pas prier, parce qu'il y a la conscience où. Dis-lui, et qui m'a empêché au point de la certaine, et qui m'a condamné où? Parce que c'est pas péché ou péché. Mon enfant mal ou dit, il faut mal. Et qu'on finit bizarre. Est-ce que vous comprenez bien? Ou agit mal et puis moi, faut agir mal et puis moi. Amen, alléluia. Hello, l'église. Donc, imaginez, moi, ça vient ici, on l'a fait fouet et c'est. Par exemple, ma ou yo pa epi yo, madame yo pa epi yo. Alors, parce que ma ou et madame ou pa epi ou pas pour prendre la cette scène. Mais pour tu pourquoi donner corps comme ça? Et qui a dit dans toutes les amours, les zakassia, tout baili, et que l'on finit ou qu'a privé corps de sous mon Dieu, ou par exemple, diable qui a péché pour la session, pour parler la vie, et qui a trop en idée. Et nous l'avons dans toutes les affaires, de la femme dans toutes les affaires, ou même sa frotteille, et qui a privé d'un bagaille qui a barou force. La vie. Ou ça pour parce que Satan utilise ça, il a trop là. Amen, alléluia. Eh bien, restez tranquille, ce n'est pas bon Dieu qui a condamné nous. C'est mentalité nous, c'est l'esprit nous qui a condamné nous. Diabla qui a été le cas, qui a dit, galeta ou pas ni nom ou pas ni femme, ou pas ni pays. Ou quoi était là tous les jours, ou pas ni pauvre jour, ou pas ni manger, ou pas ni pays. Ou quoi était là, et Satan n'a jamais fait un manger. Tout ça, ou pas essayé de faire pour pas manger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ou pas condamné nous? Eh bien, ou pas en sous cela. De pour pardonner avec toi, de pour libérer avec toi. Bon Dieu, pas qu'à condamner pour prendre cette scène. Amen, alléluia. Soyez libre, mon frère. Soyez libre, ma soeur. Avec bakou la vie. Pas quitter Satan Chibou. Oh, y a le dernier verset, y en a le. Ah, il nous a donné la deuxième partie du jour. Verset 21, oui. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ouais ça? Donc, ou pas pour participer à les deux tables à la fois. Non. Une seule table, c'est ça? Yon. Ça veut dire que nous pas pour une communion avec Satan
et communion avec bon Dieu en même dit temps. Là nous apprenons la scène. C'est ça seulement. Quand notre cœur, dès que notre cœur soit son libre, tu as communion avec ton Père, malgré ton épreuve avec tes difficultés, c'est pas contre Dieu ou péché. Bon Dieu, pas fort en rien. Faut pas ne pas quitter par ça, mon fort méchanceté, fort et quoi privé corps de ça. Non. Pas privé corps de telle grâce. Libère ton cœur. Libère tes pensées. Alléluia. Amen, alléluia. Avec quitter mon gado. Est-ce que mon dieu vit parler ni tilans ou ayou vin dimanche ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien, si vous passez pour dire, dis à la Bible. Dis, est-ce que la Bible a de nous juger moi? Il dit, moi, juger comme moi. Mais dommage, si nous ne pas convertis, nous pas accepter Jésus, nous ne pouvons vraiment faire la paix que Christ dit nous. Et bien, nous ne pouvons n'importe comment. Et nous ne pouvons pas. C'est nous qui avons condamné comme nous. Donc, pas faire ça. Le dernier verset, verset 28. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Il pose un conseil. Et bien c'est là, il a dit beaucoup de morts, beaucoup de filles, beaucoup de malades. Parce que l'autre pays, nous avons excité la jalousie, mon Dieu, et mon Dieu a frappé nous. Et nous pas plus fort qui? Alléluia. Nous comprenons ça? Nous comprenons ça? Amen. Les liens importants? Et bien si vous comprenez ça, bah, mon Dieu, on l'a même mis du bout. Pardon, c'est foyer qui a passé. Payant. Alléluia. Et puis, payant. S'il te plaît, chaque fois on fait bas, on pain, mon nom qui n'y vient qu'à rester derrière. Il y a servi payant et il y a servi payant. Amen, alléluia. Vous tenez bien? Ou ka pran pain avant et ou ka servi divin. Maman, il pa ni an yen qui plus important passe demande pardon à Dieu. Il pa ni an yen seul sa bon Dieu ka attend nous en communion avec lui tout seul. Amen, alléluia. Si nous savons que an yen qui t'en conscience nous ça te ka gêner nous. Maman, pas quitter épreuve vous problème ou Bayou, privé ou de telle grâce. Mais en fait, même si parole bon Dieu dit ça, c'est chacun mouna qui ka oué à côté en tchèy et qui ka senti libre en dan tchèy pour prendre telle grâce. M'en vle pouye avec vous. Alléluia. Permessi. Merci pour ta grâce, Seigneur, et ta bonté. Père, bénis chaque frère, chaque sœur. Permette que vous touchez Tchayou. Au plus profond de Tchayou, Père éternel, Satan a essayé pour éloigner l'église ou éloigner Yeshua de la cette scène. Tous les jours, Père, et délai en vie pour amener des frères parce que vous ne savez pas qui ça. Pour y'a faire, quelle décision pour y'a prendre? Mais ou ka fait ça, c'est pas ou qui ka coordonné nous. Et de Yeshua ni en l'esprit libre bon matin. Béni chacun Yeshua qui attend, chacun Yeshua qui l'a. Permette avec tes enfants, Seigneur, prendre cette pain, Seigneur, cette vin qui est. Seigneur mon Dieu, ton corps et ton sang. Côté yo kay prendre onction de grâce. Côté yo kay ni la vie. Transmettre en dedans yo au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Thank you Jesus. Les Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit.
c'était pour moi. Moi, mon élève, ce que m'a connu, combien moi, combien. Pour moi, moi connais ça, moi connais ça. L'y fait pour moi, quoi pas à dire. Combien moi doué, sauvez-moi non, je sais. Bye.